Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà la chaîne que je reprends après quelques années. Chaîne où, dans laquelle je partageais des vidéos quand j'étais photographe du FC Saint-Étienne et supporter de l'ASS, des filles. Du coup, voilà. Du coup, sur cette chaîne YouTube que je reprends, je vais vous partager certaines de mes passions, à continuer au niveau du football, de l'ASS, du FC Saint-Étienne et compagnie. J'essaierai de vous partager une vidéo par semaine, au moins. Et je vous partagerai aussi tout ce qui est passion de la nature, comme là vous voyez, je suis au milieu des vergers. Voilà, c'est mon exil, mon lieu d'habitation. Je vous partagerai aussi ma passion de la musique via des concerts et compagnie, parce que j'adore ça. J'adore les groupes locaux qui sont les groupes locaux stéphanois, bien sûr, qui sont 21 grammes, Rapsa, les Petites Nacelles, la Dubink qui est beaucoup plus connue. Voilà, il y en a tout un tas. Tout un tas. Je vous partagerai aussi tout ce qui est manifestation, vu que je suis militant syndical et politique. Je suis adhérent à la CGT, j'ai été militant au sein de la jeunesse communiste de la Loire. Voilà. Et voilà, je vous partagerai des bouts de manifestation quand j'y serai. Ou alors je vous partagerai aussi ma passion des restes de sport, comme le tennis que j'adore aller voir, les courses automobiles, même si c'est pas bien écologique, mais bon, j'adore ça. Je vous partagerai aussi mes promenades dans la nature, comme là actuellement, voilà, et tout un tas de choses. Je le ferai via une émission de radio, peut-être, parce que ça me tient à cœur, ou via des vidéos comme là. Mais bon, les émissions de radio, ça serait plus de la lecture de bouquins ou de poèmes, ou pour vous annoncer les futures manifestations qu'il y aura, vu que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et voilà. Et puis voilà, après j'oublie certainement beaucoup de choses, mais voilà, je verrai sur place, je verrai sur les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, et puis je verrai comment cette chaîne YouTube évolue. Voilà, allez, tchuss.